Salut à tous pour une toute nouvelle vidéo, donc ça va être une nouvelle vidéo réception. Pour cette réception, j'ai eu pas mal de cartes, donc 4 colis. D'habitude, je fais une vidéo à chaque fois que je reçois un colis, mais là j'ai décidé d'attendre un peu pour justement faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc c'est pour ça qu'elle ne durera pas 4 minutes pour une carte, mais là ça sera beaucoup plus. Enfin, ce sera un peu plus long quoi. Dans cette réception, il va y avoir beaucoup d'anciens, enfin deux lots d'Holo Wizard. Un lot avec des cartes de tous les blocs jusqu'à XY, et ensuite une carte de Destiny Occulte qui m'aidera à compléter la série, même si j'en suis très loin de l'avoir terminée. J'en suis même pas à la moitié. Mais donc voilà, donc on va commencer avec un échange voilà, que j'ai fait avec un abonné. Donc d'un Givrali Shiny que je n'avais pas du coup, qui en est à minute 9. Donc très content de cet échange. Donc voilà, donc elle va m'aider à compléter la série. Donc pour le coup, j'aime bien les. Les shiny j'aime bien, après c'est pas non plus des cartes, mais en fait c'est des rééditions des full art avec la couleur shiny et le fond et la brillance qui est pas pareil, mais ça va, ça c'est joli. Ça c'est joli, mais bon. Je veux faire mieux les Holo Wizards quand même. Mais voilà. Donc alors, ensuite. Ensuite j'ai eu ce lot. Alors pour l'histoire de ce lot, car en fait de base j'avais payé 20 € ce lot. Mais comme c'est beaucoup de l'occasion, du coup j'avais trouvé que ça, enfin c'était pas cher, mais que. Moi je sais pas, j'étais pas trop content de l'achat. Mais au final, en fait, c'est du hasard, mais à cause du confinement, tout ça, les cartes s'étaient perdues. J'étais remboursé et la personne qui m'avait vendu les cartes avait quand même reçu l'argent. Du coup, ce qui a fait que tous les deux, on a été dédommagés. Donc, j'ai acheté sur Vinted pour ceux qui veulent savoir. Et du coup, voilà, là, 2 3 semaines après que l'histoire s'est arrêtée, j'ai reçu le colis. Voilà, donc au final, ils ont dû le retrouver, ils me l'ont envoyé. Mais voilà, du coup, la personne a quand même reçu l'argent. En fait, c'est comme si j'avais eu le collier gratuit, quoi. Donc, c'est cool. Alors, je vais vous présenter. Déjà, il y a deux fakes. Donc, Zekrom et Kyurem Full Art en fake. Qui vont tous les deux aller dans la boîte où je mets toutes mes fakes. Et qui ensuite seront donnés sûrement à mon petit cousin. Parce que lui, il s'en fout un peu. C'est juste pour avoir des cartes. Donc, fake ou pas, c'est pas grave pour lui. Et donc ensuite, du coup, on va voir le reste du lot qui est, mine de rien, c'est intéressant, malheureusement, beaucoup d'occasions. Mais ça va encore. Je suis quand même assez content de mon achat. Alors, du coup, là, on va conseiller de la Unco et de la Rare et de la Commune. Donc, alors là, un petit Dracolosse de Celerulus. Donc, pas mal de rares que j'avais pas, donc c'est cool. Qui m'ont aidé à compléter, surtout XY et Platine. Car c'était série que. J'ai pas mal avancé, mais il me manque quelques cartes. Sans compter les Ultras, car au contraire, en fait, j'avance plus les Ultras. Car sur internet, à part dans des lots, j'achète pas tout ce qui est commune, holo, tout ça, voilà, donc là j'étais assez content. Donc alors, un petit Dracolosse, Funessir, Graena, donc je vais vite vous les passer, sauf pour les cartes que je trouve un peu intéressantes, genre Terra, Stilix, voilà, Wailord, que j'avais pas, Kyurem Noir, Regigigas, Voltaï, Elector, Rexilius, Lugia, que j'avais pas, j'avais que version Reverse et Promo des decks, du coup c'est cool, j'ai les trois. Le petit Balbeton semi-full art, le Pyroli de la team Plasma, Elexprint en SP, Dracolosse en SP de Vainqueur Suprême qui est très joli, un petit Pingoléon, un Entei et un Kyogre. Donc voilà. Mine de rien, quand même pas mal de cartes qui seront à la vente, surtout dans ce lot. En ultra, vu qu'il y a quand même quelques ultras là-dedans, j'ai pas en gardé beaucoup, beaucoup seront à la vente. Voilà. Du coup, on commence ici avec 3 Reverse dans les cartes plus intéressantes, voilà. Dans Magnifique Absol. Voilà, déjà rien que ça gratuit, c'est cool du coup. Et ensuite, du coup, là il y a Sadolo, donc je vais tout vous présenter. Alors, un petit Articot d'un lot, Flambusard des decks, Yveltal, donc Note Noire holographique du bloc Diamant et Perle. Voilà, qui est une promo, donc c'est vraiment cool. Un Dialga de Platine, qui est aussi très cool car j'avais pas. Voilà. Ensuite, un petit Couplin holographique, un Simia Brazolo. Fulgurice Holo, d'ailleurs la Simiabras doit être une promo car si vous regardez bien, c'est deux holos de NB mais celle-ci a des petits streams et celle-ci n'en a pas. Elle a des petits points donc ça c'est souvent les promos des tripacks, tout ça. Je la mettrai pas dans la série mais je la mettrai du coup avec les autres promotionnels. Ensuite, du coup, on a un petit Noctali que j'avais déjà donc celle-ci par exemple sera à la vente. Bourras aussi que j'avais déjà, Rayquaza que j'avais pas en non promotionnel. Du coup, c'est cool, ça m'aide à compléter la série. Raichu des decks. Ou pas des decks, Groudon des decks, Kyurem des decks, et le Volcanion que je crois pas avoir, vu qu'en holo des decks de XY il m'en manque plus que deux. Voilà, donc sur les decks sortis, celle-ci je crois pas l'avoir, donc c'est cool.
Donc voilà, donc pour les holos. Et ensuite, du coup, on va passer au plus intéressant, donc les ultras. Donc alors, déjà, on commence avec une carte défoncée, donc un méga Lucario X japonais, mais qui est complètement défoncé. Donc je vais quand même garder, car je garde les cartes étrangères que j'ai pas, je les mets dans un classeur esprit. Mais donc c'est vraiment dommage, quoi, qu'elle soit aussi abîmée, mais bon, tant pis. Ensuite, un Junko X qui est anglais, malheureusement, donc Skeptier, donc promotionnel, qui est aussi très abîmé. Donc c'est pour ça que l'eau, j'étais pas forcément très content, car beaucoup de cartes d'occasion. Mais au final, du coup, comme il y a eu histoire du remboursement, donc ça va, quoi, je vais pas me plaindre. Voilà, et ensuite, quasiment. Mais attendez, je vais regarder. Dans tout ce que je vais vous présenter là. À part Giratina qui va remplacer les. À part Giratina. Mais attendez, non, au pire, je vous mettrai à la fin les cartes que je ne vais pas garder. Enfin, si, justement, que je vais garder. Désolé, je m'embrouille un petit peu. Voilà, donc je vous montrais déjà ces deux cartes-là. Donc, ça, c'est les deux cartes que je vais garder. Donc, voilà, donc Latios X de Silurgissant. Mais voilà, quoi, pour les états, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça complétera quand même. Donc voilà, donc celle-ci je vais la garder, donc elle sera pas à la vente. Pareil pour la Giratina X qui ne sera pas aussi à la vente, qui est aussi très abîmée. Voilà, et après tout le reste que vous allez voir sera à la vente et à l'échange, donc vous me direz ce qui vous intéresse. Alors en tier nocif Prime, donc les états vous me demanderez un MP pour ceux qui sont intéressés. Un Alligator Prime, un Mackogneur X. Un Evil Tail Shiny, donc c'est mon deuxième Evil Tail Shiny pour le moment. Mais il y en a un qui va être envoyé pour justement en échange. Brazekai X. Reshiram X. Lagoon X. Mewtwo X, voilà. Volcanion X double type, donc une promo qui est pas très facile à trouver, donc assez content et voilà quoi, pas en super état. Voilà, et ensuite un petit Volcan Full Art, donc ça prend, j'étais assez content. Voilà, qui est ici un petit pli. Ouais, voilà, un petit pli en bas, et d'ailleurs pas mal de petits points blancs, mais sinon ça va. Comparé aux autres, ça reste correct, même si c'est toujours pas ouf. Et ensuite, la dernière carte qui m'a vraiment fait plaisir pour le coup, car j'avais pas vu dans le lot de base. Du coup, ouais, c'est un peu une carte bonus, on va dire. Mais voilà, donc pour le coup, je la trouve pas si en état terrible que ça. Il s'agit d'un Areopteryx Shiny de NB, donc en secrète, donc qui est assez cool, qui va être à la vente ou échange, donc ça me fera une belle carte faite pour la vente échange. Donc mine de rien, je commence à avoir pas mal de doubles. Voilà, j'ai un mental IFA, tout ça que j'ai reçu il y a pas longtemps, donc qui sont aussi à la vente, toujours dispo d'ailleurs, même si on m'a fait pas mal de propositions pour mentaline, mais j'hésite à justement le vendre comme il y a eu pas mal de propositions, donc je verrai. Selon ce qui vous intéresse, vous me direz en MP en commentaire. Donc alors ensuite, un lot de 3 holos de Wizard. Donc en fait c'était un lot d'auto Wizard. J'ai demandé plus de photos et il y avait 3 holos. Donc j'ai demandé s'il pouvait me faire à 3 euros les 3. Il a accepté. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait. Donc il y a une carte qui va être à vente et 2 cartes que je vais garder. Donc le Léviator holo, c'est de base que j'ai déjà. Attendez, vu qu'il n'y a pas le zoom, ça c'est un peu chiant. Voilà, ça va un petit peu mieux. Qui est pas en super état, mais bon, pour du Wizard, franchement, je trouve ça reste correct. Donc voilà, donc pour 1 euro. Donc avec les frais de port, ça devait faire 8 euros, un truc comme ça. Ensuite, un Hypnomade, enfin avec les frais de port plus frais de protection acheteur de Vinted. Un Hypnomade Holo que du coup, j'avais pas de Aquapolis. Donc assez content de cette carte, qui est malheureusement très abîmée. Mais en fait, j'ai surtout pris le lot pour une carte de Jungle que je recherchais depuis un moment, que je trouve très jolie. Il s'agit du Roucarnage holographique que j'avais pas. Donc là, Jungle, je crois qu'il manque 4 cartes pour terminer la série en édition 2. Donc du coup, je me rapproche du but. Donc assez content. Donc voilà. On va rajouter ça là. Et ensuite, pour la dernière carte, car c'est un seul lot, donc enfin c'est une seule carte, donc pas un lot, que j'ai acheté 20 euros. Voilà, plus. Où c'était. Non, non, 25 euros plus 1 euro de frais de port. Donc je l'ai payé 26 euros du coup. Et donc du coup pour 26 euros, c'est une carte qui est assez difficile à trouver, que je jouais depuis un moment. Du coup bah, je suis assez content de l'avoir eu. Donc je vais vous montrer hors de la pochette ce que ça donne. Donc voilà, donc pour son dos. Donc je vous dis, c'est une holo wizard. Donc c'est ouais, c'est vraiment une belle holo. Voilà pour le dos. Et du coup là-bas, il s'agit du Dracaufeu Obscur. Voilà. On va direct remettre sous sleeve par contre.
parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Voilà, donc le Dracolos Obscur holographique de Rocket. Donc vraiment très content de l'avoir eu, donc 26 euros, donc je l'ai eu sur les groupes Facebook celle-ci. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'en dit les deux, donc la Jap et la française, donc quand j'ai vu, j'ai tout de suite MP, je lui ai dit que je la prenais directement. Et donc voilà, donc Rocket aussi manque 5 euros, et après bah, j'ai terminé en fait ce qui me manque le plus. Même dans les séries Néo, j'ai à peu près terminé, par exemple Néo Genesis, il me reste aussi genre 5 holos à voir. Oui, vraiment, j'ai du mal, c'est Néo Destiny qui est très dur à trouver les holos. Enfin, les brillants, ouais, aussi, mais j'en suis à 3 sur 8 au niveau des brillants. Mais par contre, fossiles, j'arrive vraiment pas à en trouver des holos fossiles. Ou alors des prix vraiment trop chers. Ou alors première édition, car je cherche que l'édition 2, je prends pas tout ce qui est première édition. À part en brocante, quand c'est vraiment à très bas prix. Mais sinon voilà quoi, j'en recherche pas donc c'est dommage. Vu que du coup j'en vois passer pas mal. Qui ne sont pas édition 2. Mais voilà donc pour en revenir à Dracaufeu, elle est vraiment très belle donc je suis très content de l'avoir. Donc il va beaucoup m'aider à compléter et voilà. Donc ça aurait été quand même. Donc voilà donc c'est quand même une belle réception que j'ai eue. Voilà donc avec de belles cartes. Donc beaucoup seront à la vente. Beaucoup vont aller dans ma collection aussi. Voilà, comme la Givrali Shiny qui sera dans ma collection, Dracaufeu Obscur sera dans ma collection, au Carnage aussi. Par contre, je vais devoir acheter des protège-cartes car tout ça là, ben, en fait, j'en ai plus pour tout ça. Donc, je vais en acheter dès que je peux aller vers Aix pour acheter dans les petites boutiques des sleeves à 1 € les 100, donc j'en prendrai. Voilà, donc les sleeves sans marque, les Ultimate Croard, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, c'est bizarre, mais. Ouais bref, les gros paquets aussi, ben 1 € unité. Donc voilà, donc c'était tout pour cette réception. Donc j'espère que quand même elle vous aura plu. Et je trouve que ouais 12 minutes c'est quand même plus que d'habitude. Donc voilà quoi, plus longtemps que d'habitude. Je sais pas si ça va forcément vous plaire, un contenu plus long, mais voilà. Vous me direz vos avis en commentaire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous suivre ma chaîne YouTube en vous abonnant. Si vous voulez voir d'autres vidéos et d'autres de mes réceptions. Ou juste faire des échanges, donc regarder ce que je reçois. Ou alors simplement si vous voulez juste faire des échanges sans vous abonner, bah, vous pouvez me contacter à mon Instagram, donc CharizardRayquaza. Ou j'ai créé un serveur Discord que je mettrai en commentaire si vous voulez me rejoindre pour pouvoir parler avec d'autres collectionneurs. Ou alors sur mon profil Facebook que vous me demanderez en commentaire et je vous le donnerai. Mais voilà, donc ou tout simplement en commentaire pour ceux qui n'ont rien du tout, ou un numéro de téléphone, voilà, donc on s'organisera pour les échanges ou ventes. Et je rachète aussi, si vous avez des cartes que vous voulez vous débarrasser, que vous passez par là, par hasard, mais vous pouvez tout simplement, voilà quoi, me laisser un commentaire, me dire que vous avez des cartes à vendre et que ça pourrait m'intéresser. Mais donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous et bonne collection, et bye.